Aïs Informsum, finalement, ça que m'a suivi là, ancienne première dame, qui c'est madame Mati Moïse, pas vine pour la paix. Ancienne première dame, prend bâton pèlerin, il prend ma coute li maintenant dol, il prend botte li maintenant piel, il prend canson li maintenant taille, et mais justement, la font pèlerinaille. Ancienne première dame, après gros invitation que l'te gagné pour la participer, dans grand forum Montana, dans le pays la Suisse, et mais effectivement, peuple haïtien, gros déclaration piment bouc te fait. Ancienne première dame qui c'est madame Martine Moïse continue par couler. Il dit pas rentrer la caille. Ancienne première dame débarqué effectivement dans haut commissariat des droits de l'homme dans les Nations Unies. Maman petite Marie Vente. Ça parle ça nous parle de là maman petite Marie Vente. Rel Kaima Corel assassin entravé. Abdomine actualité c'est de ces journalistes vedettes de émission Haïti débat de Radio Télescope FM. Gary Pierre-Paul Charles après gros et interrogation qui t'est plané sous tête Gary Pierre-Paul Charles qui t'a fait quoi que côté que Gary Pierre-Paul Charles t'a va gain visa li qui t'a bloqué. Et ben nous maintenant faut bientôt nous t'a gain information yo que tout le monde que visa a coupé et nous t'a cité yo tout le monde ça évidemment visa a coupé et nous on capable ouais blanc sanctionné complètement concrètement blanc dit de bagarre yo publiquement justement gain pilan qui fait partie de gouvernement Ariel Henry parmi yo 5 ministres dans gouvernement c'est gros cause oui en dedans yon gouvernement qui dirige un pays gain 5 ministres qui dirige ministère gros ministère dans le pays, ministère planification, Rika Pierre de SDP, ministère de la justice, garde des sceaux de la République, ministre justice ça, c'est un assassin président, un criminel qui te financé assassinat président, que le Dimitri Vob, qui te mette, ministre qui est le Dorsey Berto, yon dealer drogue, yon trafiquant zam, yon kidnapper assassin. Ou jouen, yon gros ministère pays, qui t'a supposé là pour contrôler sécurité intérieure paysan qui c'est ministère de l'intérieur justement que Maurice Jean-Charles te mette yon incompétent yon pas sérieux yon bluffeur yon assassin yon kidnappeur yon l'élite qui tel mais justement blanc prend moun sa yo li di Ariel Henry révoquer moun son gouvernement révoquer yo dans l'immédiat. Il y a l'autre encore qui est le Renaud Bito, qui est ministre de défense. Nèg cap contrôler défense pays, mais c'est gros cause, oui. Ça peut pas ici nous qui ça nous prend. Renaud Bito, ministre de défense, blanc mandé pour révoquer monsieur tout parce que blanc sanctionné monsieur. Bien qu'il dégage à l'étranger, yo saisil visa coupé avec compte en banque à l'étranger, tout ça yo saisi yo. Il y a l'autre encore, c'est ministre agriculture là. Nous passons nos voix ou ça, non, lui-même. Mais c'est au total 5 ministres dans le gouvernement, justement, qui ont sanctionné. Papa Haïtien, nous te dit. Mais nous, Gary Pierre-Paul Charles, t'as cité par en bas, nous te dit que nous pouvons confirmer. Je dis à nous, on va parler ensemble avec Papa Haïtien. Madame Moïse, dit retourner sous table à Papa Haïtien. Madame Martine Moïse, débarqué en Chango, Jacques Ndjoulan dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, et dans le commissariat, justement, des droits de l'homme, dans les Nations Unies, c'est gros causé. Assassin, au peur, coussourit. Criminel, au peur, coussourit. Dimitri, vous ne pouvez pas dormir dans la nuit. Et Reginald Boulos, pas dormir dans la chita. Mes amis, d'ailleurs, peur, pas carité dans la douche, c'est gros causé. Moïse Jean-Charles était dans la rue Port-au-Prince. Cap haïtien était une manifestation. Moi était haïtien appelé clean vertière. Moi dit bravo avec pompier yo et magistrat Vilo Kaplan qui était justement débarqué avec camion pompier qui t'a clean et vertière place vertière là. Moi dit bravo hein. Parce que nous même nous c'est monde qui positif. Nous féliciter, nous battre bravo et nous critiquer là pour nous critiquer parce que c'est courage ça qui nous gagne. Pas oublier, je dis à nous exactement, 19 novembre 2022, 18 novembre passé, je ne m'attendais aussi à nos Jovenel Moïse, non. Faut que Jojo allez, faut que l'aller, laissez-vous présenter un système, non. Laissez le système, non. Faut que nous touillez, 6 pour arriver 7 juillet 2021. Batchien, t'en mettre nous avons des bagages qui nous prennent le temps qui sont extrêmement importants dans l'académie, ça peut pas ici. Pas oublier, je dis à nous exactement, 19 novembre. 2022. M'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'a, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, gens qui nous connaissent, c'est toujours un plaisir pour moi pour commencer avec nous. Ça vous me fait du bien. À chaque fois que je me connais, ma vie une un moment ensemble avec nous et que je me connais, on va réagir exactement à travers commentaires.
Alors, c'est là que nous avons dit tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons. De ça qui dit dans l'Académie Panouan, qui passe sur la plateforme Panouan, qui c'est la plateforme YouTube, Info Bertoa. Parce que il est clair que, eh bien nous entendons, nous comprenons, nous apprécions le travail là. C'est normal pour que nous soyons capables de gagner une réaction. Réaction Panouan, pas de l'autre côté qui nous capable de faire. C'est exactement dans l'espace commentaire là. Côté que déjà ouais, toute famille, toutes amis, déjà commenté, a dit ça que vous pensez, a dit ça que vous comprenez. Justement, ou même vous avez pour devoir, dit ça que vous pensez, dit ça que vous comprenez. Mais tout d'abord, ma fin, nous connaît que émission ça. Martin Moïse prend le craquel. Parce que Martin Moïse, comme ancienne première dame de la République d'Haïti, je dis à lui prouver qu'elles sont femmes en dehors. Li prouve qu'elles sont femmes qui ont conviction. Li prouve qu'elles sont femmes qui pas baisser les bras. Et bien, pas nous mentir, je vais te la gâter, peuple haïtien. Ancienne première dame, qui c'est madame Martine Moïse, débarqué dans le haut commissariat des Nations Unies des droits de l'homme dans les Nations Unies. Côté que, ancienne première dame, là, elle parlait de dossier assassinat, président pays là, Marie Lan, qui est président Jovenel Moïse. Lui-même évoquait, pour qui sa Nations Unies, pas voulait mettre un tribunal spécial, même je le te fait pour président, et Liban, qui est Rafik Hariri. Vous comprenez? Côté que, tribunal ça te mette sous pied avec autant de rapidité yo te identifié assassin yo et jugé yo et condamné yo ancien président nan parler en pile causé li parler de sanctions que conseil sécurité des Nations Unies a voté la résolution 2653 les crimes commis contre le peuple haïtien par les autorités gouvernementales justement, et les oligarques corrompus. Le système politique applique une apartheid économique caractérisée par la capture des ressources de l'État, des monopoles commerciaux et secteurs bancaires à travers la corruption et enfoncer l'insécurité, justement, alimentaire. Qui affectait 4,6 millions. 4,6 millions de monde qui n'ont grand goût dans le pays. Sur environ 12 millions d'habitants, nous avons 4,6 millions de monde qui n'ont grand goût, qui n'ont pauvreté extrême, qui n'ont souffrance, qui n'ont douleur, qui pas qu'à manger. 4,6 millions haïtiens pas qu'à manger. Et puis, il y a 5% de monde qui n'est pas haïtien. Qui c'est des Libanais, qui c'est des Palestiniens, qui c'est des Arabes, qui te débarquent dans le pays d'Haïti pour la guerre. Nous te recevons comme moun, en pile de te débarquent en République Dominicaine. Parmi eux, président Dominicain, qui travaille pour la Dominicanie, qui a fait des Dominicains, qui ont remis. Justement, il n'y a pas besoin de beau pour Haïtien, non? Parce qu'il a fait travailler pays, il n'y a pas Haïtien. Il n'y a pas président dans le pays d'Haïti, non? Il n'y a pas président dans l'île, non? Il a défendu la Dominicanie. Mais il est bon pour les Dominicains. Dominicains étaient tellement remis, ils ont voté comme président. C'est des gens qui investissent dans l'éducation. Mais nous avons une équipe ravette qui sont au Liban. Des criminels, des gangs, des assassins, des terroristes qui ont quitté le pays pour la guerre. Justement, le Liban qui est pays d'Haïti, c'est détruit. Ils viennent détruire masse peuple là, peuple haïtien. Et mais justement, ça que tu as dit dans la réunion, si nous sommes capables de prendre dans paragraphe ça, dans notre que Martin Moïse t'a porté dans le haut commissariat des droits de l'homme dans la Nations Unies. N'a pas commencé comme ça. Nations Unies, droits de l'homme, au commissariat. L'ex-première dame de la République d'Haïti, Martine Moïse, rencontre les responsables du haut commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Cette réunion de travail s'est tenue au bureau du haut commissariat à Genève. Ce 18 novembre 2022, plusieurs points concernant Haïti ont été abordés. Vu les blocages institutionnels rencontrés
au cours des de 16 derniers mois en Haïti et de certains pays à cause de leur implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, la nécessité d'établir un tribunal spécial, un tribunal pénal international sur ces crimes conformément aux requêtes soumises par le gouvernement haïtien le 19 juillet et 3 août 2021. Et selon le modèle établi par les Nations Unies après l'assassinat du premier ministre du Liban, Rafik Hariri, devient une priorité. La nécessité de sanctionner conformément à la résolution 2653 les crimes commis contre le peuple haïtien par les autorités gouvernementales et les oligarques corrompus, le système politique applique un apartheid économique caractérisé par la capture des ressources de l'État. Des monopoles commerciaux et secteurs bancaires à travers la corruption ayant forcé l'insécurité alimentaire qui affectait 4,6 millions d'enfants et d'enfants de femmes et d'hommes haïtiens. Les élites globalistes corrompues sont les bénéficiaires de ce système d'apartheid établi par les oligarques corrompus en Haïti. Ils ont les maîtres de la violence des gangs et ont joué un rôle clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ce crime politique, économique et social causé, calculé et organisé contre le peuple haïtien ou la famine, tu es mérité d'être puni. Les souffrances du peuple haïtien doivent être immédiatement allégées par les interventions humanitaires. Toujours notre langue à parler, Madame la Première Dame, ancienne Première Dame de la République, Madame Martine Moïse. N'a pas avancé. Les Nations Unies doivent payer des réparations aux familles des 10 800 victimes de la bactérie choléra que les soldats de l'organisation ont mené en Haïti. Le secrétaire général Ban Ki-moon avait reconnu que la responsabilité de l'ONU dans ces crimes contre le peuple haïtien. Le secrétaire général Guterres, alors qu'il a voté lors de son élection à la tête de l'ONU, est resté silencieux sur le sujet depuis son arrivée à la tête de l'organisation. Quand on considère que les étrangers victimes de la Libye ont reçu 1,9 milliard de dollars américains de réparation, alors que les Noirs haïtiens victimes depuis 12 ans sont ignorés et sont demandés, est-ce que du racisme systémique? Les femmes, les enfants et les hommes noirs d'Haïti ont victimes de la violence raciste ordonnée par le président dominicain Luis Abinadel en République dominicaine. Les droits sont systématiquement violés. La violence étatique contre les noirs haïtiens en République dominicaine. En République dominicaine, de conduit sa politique migratoire, l'ONI, l'OEA, la CARICOM, le Haut Commissariat des droits de l'homme doivent condamner
cette politique répugnante et demande à ce que le président Luis Abinadel respecte des oligarques des obligations internationales. Rappelons que l'armée dominicaine a commis un génocide en 1937 en tuant plus de 30 000 Haïtiens. C'est le, depuis longtemps bagaille ça fait monsieur, c'est gros causé. La professionnalisation des organisations des droits de l'homme en Haïti est une nécessité. Leur politisation au cours des 20 dernières années a causé des sérieux dommages au régime de la loi et à la démocratie haïtienne. Et les rapports des droits humains 2019-2020 du gouvernement haïtien étalant et cette réalité et les évaluations et l'assassinat technique de haut commissariat et l'assistant technique pardon de haut commissariat des droits de l'homme et à travers formation et aiderie justement et toujours notre Martin Moïse là. Il y a pas avancé sur notre tête chargée qui est très très longue. Ancienne première dame non évoqué surtout dossier qui est très intéressant pour nous, qui c'est dossier haïtien nous yo qui a subi tout acte malhonnête en République dominicaine peuple haïtien. Et mais justement dossier ça première dame abordé hein, c'est pour petit dossier petit lié. Et c'est là président dominicain trouvé dans petit soulier. Ancien premier ministre pays qui c'est docteur Claude Joseph peuple haïtien. Justement, il était évoqué question ça. Côté qu'elle t'a écrit au commissariat des droits de l'homme dans les Nations Unies, ancienne première dame qui c'est madame Martine Moïse évoquait même question. Ça veut dire que pour le moment c'est grave oui. Nous avons un gouvernement que n'a payé, nous payer des ministres, nous payer ministre affaires étrangères, nous payer ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, nous payer premier ministre, nous payer tout le monde net qu'on est hein. Même budget l'État qui était là pendant le président pays était là, président élu démocratiquement, c'est même budget qui est toujours là. N'a payé tout le monde ça yo. Mais justement pour qui résultat? Zéro. Et puis tout le monde te fait nous connaître que Jovenel Moïse pas utile en rien. Jovenel Moïse sont nuls. Jovenel Moïse pas travail pour peuple haïtien. Je dis à même on yo là. Mais tout le monde ça qui t'a dit revendication qui a passé ces revendications pas comme peuple. Mais yo là. Et même pas nous menti. C'est moun sa yo qui détruit pays ya pendant plus passé 30 l'année peuple haïtien. Je dis à chaque grand haïtien qu'on a une grande responsabilité. C'est attaquer chaque grand représentant système ça qui empêche ou même comme peuple pour respirer dans pays ou pour vivre dans pays ou qui empêche petit tout aller l'école. Environ 4,6 millions de monde pas qu'à rentrer l'école. Jodi à nous 19 novembre 2022. Environ 4,6 millions de monde pas qu'à rentrer dans la salle de classe. Ça fait ça parce que la classe politique haïtienne organise yo. Madame petite, tout ça qui est important pour yo, tout ça qui proche yo, famille yo, yo mette yo à le placer yo à l'étranger. Y a boté l'argent pays ya, y a boté toute richesse pays ya, à le déposer dans compte en banque yo à l'étranger. Et bien, faire violence au peuple là pour système non capabilité en vie. Et mais justement, nous-mêmes, comme jeunes garçons, qui ont battu dans les médias en ligne, nous disons nous pas qu'arrêter de croiser. Nous disons faut que nous menions combat. Justement, nous avons fait bataille avec monsieur yo. Dossier assassinat de Jovenel Moïse, dossier ça continue à faire chemin. Madame Martine Moïse évoque, je que nous sauter et lire notre lampe pour vous. Justement, et nous supposons faire une approche là. Exactement. Et dans la langue panouan, qui c'est créole. Et m'espère que Madame Martine Moïse, ancienne première dame de la République, l'a sorti notre yo, sou capable sorti deux. Eh bien, sorti deux, parce que l'intéressant pour l'a banou yo, pour nous joindre deux. Iman Ultra, c'est un tout nouveau produit. Justement. N'a pas présenté où produit ça
qui c'est Gaban Ultra, ok, c'est justement Mourenga Haïti qui peut produire ça pour nous. Et produit ça qui commence à faire parler de lui en pile là. Depuis là, il faut mettre toi présenter produit ça. Son bagage tête chargée, Mourenga Haïti et Gaban Ultra, c'est le bagage tête chargée. Son produit et mon yo pas cassé par de lui. Son bagage tête chargée. Mais justement, nous décidons pour nous présenter produit ça et vous capable de tester lui pour vous-même. Qui c'est Chuck Joe qui travaille en pile, qui fait en pile state, qui conduit en pile, qui chita en pile. Des fois, vient dans calor fatigué et que pas gain rendement, madame n'a plein. Mais justement, et Mourenga Haïti résout le problème ça. Pour même cap travail, et quel que soit côté, en États-Unis d'Amérique, la France Canada, en Haïti, tout ça, la République Dominicaine, cap travail du, qui sentit que madame n'a plein. Et mais Mourenga Haïti résout le problème ça, ou pas qu'un garçon, justement pour faire bécater. Parce que, il y a des bails qui fait pour résoudre, et ou pas gain excuse dans ça, d'accord? Pas gain excuse. Et justement, les madame là, qui ne va qui pour faire, faut qu'on fait. Si vous pas fait, ça qu'on va jouer au en tant que garçon. Eh ben, meni, Mourenga Haïti résout le problème ça, pas jamais perdre du temps encore. Allez, ça, papa, ici. Gaban Ultra. Gaban Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il a pour combattre ça, il est dysfonctionnement érectile, ça veut dire pas qu'on peut dire tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagarre. Il y a un dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il y a remplacé trois produits Gaban parce qu'il est plus puissant. Voilà. Il a remplacé trois produits Gaban parce qu'il est plus puissant. Et mais justement, pas perdre du temps, non? Pour même qu'à vivre aux États-Unis d'Amérique. Numéro c'est plus 1, 5, 14, 8. 8, 86, 97, 76, 8. Plus 1, 5, 14, 8, 86, 97, 76. C'est un numéro qui est capable de faire Mourenga Haïti. Écoutez bien. Nous avons commencé avec dossier sanctions que les États-Unis d'Amérique prennent contre les politiciens haïtiens. Voilà. Gary Pierre-Paul Charles, vous pouvez le parler, garçon. Parce que là, c'est la difficile en pile. Gary Pierre-Paul Charles parle et nous prenons le temps de nous prenons le commenter, nous prenons l'analyser ensemble avec vous. Effectivement, il y a une liste qui te prend la rue. Mais nous-mêmes, honnêtement, nous sommes toujours clairs. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes premier monde. Ou du moins, nous sommes parmi les premiers monde qui ont commencé depuis plus de 4 mois. Qui ont annoncé que les États-Unis d'Amérique prennent sanctionner des politiciens haïtiens. Parce que le service secret des États-Unis d'Amérique est filtré. Toute organisation politique dans le pays d'Haïti, yo identifié des hommes politiques qui ont financé gang qui ont kidnapping, qui ont fait en Haïti. Yo infiltré toute organisation sociale, droits humains, qui soi-disant, disait que tu as fait social, tu as défendu le monde, yo identifié une quantité de monde qui ont gang, qui ont financé gang, qui ont mangé l'argent kidnapping. Et qui a patronné gang, qui a protégé gang, parmi eux Pierre Espérance, actuellement là, à 80% nous capables de bonne information ça. Que Pierre Espérance interdit pour que le papier le sol les États-Unis d'Amérique. Parce que, il y a un gang qui est 4x4, nous Pierre Espérance t'a cité dans l'assassinat entre Antoine Duclair et Diego Chal, qui c'est Phantom 69 qui t'a fait exécution ça pour lui. Va te parler, non? Et nous avons espéré que pour courir pour du rapport, pour le défaut qu'on est que, oh oui, c'est Jovenel Moïse qui voit barbecue, G9, à l'assassiné Antoine Duclair, et Diego Charles fait massacre de Delma 32. Pierre Espérance avec rapidité, les produits du rapport. Et bien, mais qui résultat, peuple haïtien? Mais résultat. Juste avec chaque grand haïtien, place tête nous bien sous épaule nous, pour que nous commencions à attaquer les criminels. Parce que méchants, ça yo, yo pas gain droit sous moun. Assassin pas ka sou moun, gang pas ka sou moun, criminel pas ka sou moun, peuple haïtien. Je t'aime de que nous bataille. Bataille pour éradiquer coalition d'assassins qui prend pays en otage là. Vle chaque grand haïtien mette maintenant patte là pour attaquer criminel yo. En nous bataille contre yo. Parce que je dis à, faut que chaque grand haïtien prenne responsabilité yo contre criminel sa yo, contre assassin sa yo dans pays ça. Écoutez bien. Pierre Espérance, c'est grave, oui. Putain, bah nous Gary Pierre-Paul Charles là. Est-ce qu'on va prendre Gary Pierre-Paul Charles là avant? Parce qu'il est important, oui. Gary Pierre-Paul Charles là avant. Il est important. Gary Pierre-Paul Charles parler. Nous devons attendre. Important, oui. Parce qu'ils l'ont décidé.
li pour tes rectifications. Eh bien, justement, nous pral et nous comprenne ça qui dit. Effectivement, c'est sous dossier visa coupé que Gary Pierre-Paul Charles pral parler. Mais nous gagnons deux petits commentaires pour que nous fassions. Et il y a un point qui est extrêmement important que Gary Pierre-Paul Charles pral aborder. Eh bien, justement, nous pralé faire autant de et analyser ensemble avec vous. En avance, GPPC, dit Gary Pierre-Paul Charles, prêtez-moi patience, nous. T'en prie, s'il vous plaît. Je connais que deux fois, nous avons un petit problème ensemble avec vous. Honnêtement, je connais ça. Mais prêtez-moi patience, nous, pendant quelques minutes. T'en prie, en avance, Gary Pierre-Paul Charles. Là, Marco, dis monsieur, comment est-ce là? Monsieur, dis nous là. Même si on a une pièce, je me dis, mon cher, c'est pour la première fois qu'une information aussi importante qui a un rapport avec des gens qui vivent dans le pays, à côté journaliste dans le pays, pas qu'un journaliste même qui a une, sauf ou même qui a une information sur ça. Donc, moi, invite demain pour parler dans ce coup, pour expliquer le pays, l'histoire, hein, bail, contre joigné, etc. Parce qu'en fait, ce sont des informations folles, bail. Et monsieur dit, monsieur, ça me dit, Gary, bien, monsieur. Monsieur dit, oh, Gary, ah, mon cher, depuis deux semaines, m'a pris l'eau pour me répondre, bah, ça. Me dit, monsieur, oh, je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas le numéro de téléphone. Me dit, monsieur, ça passe dans la liste. Monsieur dit, non, eh bien, moi, sur la liste, depuis deux semaines, je travaille sur la liste. Des bails comme ça, vous voyez, moi, bah. Me dit, dans la liste, tu as vu, ou bien, vous avez vu Gary Scoop. Monsieur dit, bon, Gary. Mais Gary, on va me déranger. Parce que je suis un peu habitué avec ces gens qui cherchent des views, ou comprendre, des nègres tout, qui me sont fait être passé pour journaliste, ou bien superstar, mais un problème. Et puis il me dit, monsieur, dans l'histoire, moi, dit, dans l'histoire, cité, ou dit, Claude Joseph. Et puis il me dit, monsieur, et vous dit, par contre, s'il la donne, non, même moi, point d'interrogation devant l'histoire, il la donne ou bien il va la donne. Monsieur, soyons sérieux. C'est Claude Laden. Il a donné, mais c'est pas Laden. Pas qu'il a donné. Mais on dit, ah, l'équipe est Laden, l'équipe est pas Laden. C'est un appel du pied. C'est un appel du pied. C'est un appel lancé pour que Claude vienne à la charge ou auprès d'eux. Parce que sous ma vini, maintenant, mais on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas être confortablement, apparemment, à l'étranger pour citer nos mounes, nous mettez nos mounes. Donc, même t'es pas là avec lui. Et puis, Marco, ça, monsieur, fait. Et puis, il me dit, monsieur, mais faut démentir, bah, là. Monsieur dit, mais OK, pas bah, un problème. Entre-temps, j'ai parlé à Patrick Morisseau, qui est un camarade de monsieur. Et puis, il dit, Jijiji, me balle avec Jijiji. Et puis, monsieur, font correction. Monsieur dit, Gary Pierre-Paul Charles, pas un visa le coupé, monsieur, à l'étranger. Effectivement, Gary Pierre-Paul Charles, t'es trouvé lui aux États-Unis d'Amérique, j'ai comme te dit nous. C'était une occasion faite lui. Et dame moi, qui t'avait là, il est Oana, c'est madame ni, c'est gros causé. Et Oana, et ça, c'est normal, n'est-ce pas, madame ni. Mais Gary Pierre-Paul Charles, mon cher, nous ne parlons pas là, oui. Nous ne pouvons pas l'avoir. Nous pouvons mettre le peuple à fin de parce que nous avons des gros bagages que nous pouvons partager avec la population. C'est extrêmement important. Pas oublier, la majorité des journalistes dans le pays d'Haïti, madame Petit Tio, pas dans le pays d'Haïti. D'accord? La majorité tout politicien en général qui est dans le pays d'Haïti, qui a fini avec le pays, Petit Tio, madame Yo, pas dans le pays d'Haïti. Nous allons comprendre, ça pour comprendre, doit comprendre. En avance. Et il tout profite pour le dire tout, parce qu'il me dit, ça a dit son regard, il n'est pas vrai, parce que. Trois jours avant que monsieur fait ça, Henri Gary est parti, Henri Gary est à Miami, elle fait une émission en direct de Miami. Donc, ou pas quand on est trois jours, tu es quitté Miami, il prend avion là, il veut Miami, ou qu'on est journaliste, et vous dites, il n'est pas parti. C'est de la méchanceté. On ne fait pas ça. Ou pas fait ça en pays, ou pas fait ça en peuple.
Et non, mon monsieur, le mettre maintenant mon sur liste. Mais pourquoi ça mettre mon sur liste là? Pour drogue avec moun qui a financé la violence. Et vous mettez gars, il y a là dans mon cher. Et vous mettez le discréditer liste là. Donc soit on règle un bagage personnel avec ou du moins il y a un patron qui vous a demandé de citer le nom de Gary Bebosal. Et je ne sais pas si vous avez un problème avec. Si vous avez un problème, vous avez dit parce que je ne vais pas parler avec vous. Même plus quoi, un patron qui m'a dit maintenant. Vous comprenez? Toujours Gary Bebosal. Ou bien, tu as financé l'émission. Donc, les pipares pour ta mettre nèg ça dans liste là que vous mettez nous parce que c'est monsieur qu'on a évolué avec bandi ici à Scoop nous n'avons jamais donné la parole au bandi évidemment il y a des bandits à cravate qui parlent ici à bon il va faute nous on va aller de tous côtés mais bandits des gens illégalement armés Gary Pepon Charles va parler évidemment il y a des bandits à cravate qui parlent faut qu'on dise Nel Kassi parler. Aïe, aïe, aïe. Moi-même, dis-nous, papa, ici, aujourd'hui, c'est la vérité sous tambour. Vérité, rien que la vérité. Pas rien qu'à cacher, parce que blanc a démasqué nous comme gang. N'a protégé criminel avec micro nous. Et bien, blanc a démasqué criminel que n'a protégé avec micro nous. Faut qu'on dise dans le cas-ci. Et Major Michel donne cartouche la Ludor. Faut qu'on dise au palais dans le micro. Faut qu'on dise ça. On nous reprendre ça pour peuple, la Gary. Parce que moi-même, dis-nous ça clairement. Je suis à mon côté avec ma fait. M'a fait des peuples, ça m'a pas des pays. Comprenez, c'est le bail qui a passé dans le pays. Prenez responsabilité, non, peuple haïtien. En avance, Gary Pepon Charles. Tu as financé l'émission. Donc, les pipares pour ta mettre nèg ça dans la liste là. Que vous mettez nous. Parce que c'est monsieur qu'on a évolué avec bandi. Ici à Scoop, nous n'avons jamais donné la parole aux bandits. Évidemment, il y a des bandits à cravate qui parlent ici, bon, il va faute nous, on va aller de tous côtés. Mais bandits, des gens illégalement armés, donc nous ne pouvons pas avoir la parole. Donc c'est un mensonge. Avant que vous avancez, je voulais Gary Pepon Charles connaît que, elle connaît ça tout. Bandits à cravate, il est plus fragile que bandits à sapate là. Bandits à sapate là, déclaré que le bandit, les Kimbezam, les fusillés, les kidnappés, les violés, les assassinés, ok? Mais bandit à cravate là lui-même, c'est de génération en génération, l'a préparé bandit à sa patte. Bandit à cravate là, c'est de génération en génération, l'a préparé bandit à sa patte. Et ça cause où Haïti trouve la situation qu'elle trouve là. Parce que c'est des assassins, c'est des criminels notoires, c'est des chefs de gang qui prennent un pays en otage pour capable de gérer le pouvoir politique, consolider le pouvoir. Nous allons comprendre, peuple haïtien. Reprendre Gary, pour avancer. Qui est un secteur privé, Marco, qui dit, qui déclarait que le libre est bandit là. Je vais vous reprendre ça parce qu'on parle pas la boulos. On parle pas la boulos, je vais faire payer, attendez. Et vous dites, il n'y a pas de. C'est de la méchanceté. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça en pays. On ne fait pas ça en peuple. Et non, mon monsieur, le mettre maintenant, mon souliste. Mais pourquoi ça met mon sur liste là? Pour drogue avec moun qui a financé la violence. Et vous mettez Gary Pepon Charles là-dedans, mon cher. Et vous mettez, vous discréditez liste là. Donc, soit on règle un bagage personnel avec, ou du moins, il y a un patron qui vous a demandé de citer le nom de Gary Pepon Charles. Et je ne sais pas si vous avez un problème avec. Si vous avez un problème, vous avez dit parce que je ne vais pas parler avec vous. Même plus quoi, un patron. Qui m'a dit maintenant. Comprendre. Et justement, il y a si tu es avec eux, c'est parce que c'est des agents de développement. Et puis c'est un exact ami. Et c'est un exact patron. Évolue avec un nèg qui est un secteur privé, Marco. Qui dit, qui déclarait que le libre est bandit l'argent. Les si tu es avec eux, c'est parce que c'est des agents de développement. Et puis c'est un exact ami. Et c'est avec ça que patron, ou bien, ou elle me dit, ou bien. Reginald Boulos te dit comme ça que, si monsieur qui n'a cité Soleil, c'est des agents de développement qui yo pas bandit. Exemple, si Gabriel,
qui c'est chef gang Cité Soleil là. Le général Boulos te dit, c'est Gabriel, c'est agent de développement. Gary Bebochal, ou pas la Boulos, c'est de nos Boulos, Gary. Ou du moins, il y a un patron qui vous a demandé de citer le nom de Gary Bebochal. Et pas quoi qu'on gagne un problème avec. S'il y a un problème, ou t'as dit, parce que j'aime te parler avec nous, même plus quoi qu'on patron qui m'a dit maintenant. Elle comprend. Oh, de qui patron ça, qu'il s'agit. Parce que moi-même, l'on a menti sous, m'a dit. Pourquoi un nègre a évolué avec un nègre qui est dans le secteur privé, Marco, qui dit, qui déclarait que le libre bandit l'argent, le chita avec yo, c'est parce que nègre, c'est des agents de développement. Et puis c'est nègre ça qui s'en mis. Et c'est nègre ça qui patron. Ou bien, ou elle me dit, ou bien, tu as financé l'émission. Donc, le piparet pour ta mettre nègre ça dans liste là. Que vous mettez nous, parce que c'est monsieur qu'on a évolué avec bandit. Ici à Scoop, nous n'avons jamais donné la parole aux bandits. Évidemment, il y a des bandits à cravate qui parlent ici à, bon, il va faire nous, il va aller de tous côtés. Mais bandits, des gens illégalement armés, donc nous ne pouvons pas avoir la parole. Donc c'est un mensonge. Donc ce militant est un menteur. Et c'est quelqu'un qui fait du mal à la société. Maintenant, ma conjointe de monsieur Dim, mais. Et qu'on a parlé de Jovenel Moïse. Bah, ça, quand on a joué l'information, on a parlé de Jovenel Moïse. Là. Monsieur, font une analyse comparative. Comme nèg ça, vous êtes qui t'a soutenu SDP dans le pays Loc, qui était des alliés. Et puis, qui était en face. Jovenel Moïse. Et ces gens prêchaient la violence contre Jovenel. Monsieur, tout besoin de qu'on t'avait dit, oh, tu es parler de Jovenel, tout, qu'on conduit une information. Donc, nous quittons ça passer parce que moi, j'ai un règlement de compte qui a fait là. Et puis, ça qui doit là, monsieur, traversé dossier, bah, de l'autre nègre, et puis, nègre dit, oui, mais l'autre nègre qui gagne la donne, mais tel. Alors, je suis venu pour dire que c'est faux, c'est un menti que mon abaye, surtout militant ça, ou bah, m'cite non, bah, monsieur. Bah, m'ba permettre moun identifier comme nek qui passe ou. Si on t'étendait, après, ou, mais m'ba dit c'est où. Ok? Donc, m'ba faut ça. Maintenant, m'ba monsieur conseille tout, m'ako. M'dis monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Ou pas t'a un journaliste ou même. Même si on a une liste qui est non, mais pas une liste, vrai. Pas une liste. Vrai parce que monsieur dit, Gary Scoop. Vous voyez qu'il faut dire, mais Gary Scoop. Bon, ça qui est belle, là. Gary, c'est peu Gary, peu, oui. Parce que Gary, États-Unis, Gary, pourquoi? Gary, apprend qui gens qui a coupé visa, nèg, voye nèg Haïti, pour nèg, fermé nèg, dans petit cachot. Vous voyez, mais du là, à terre, fret, tant que son bacon, hein. Et parmi eux, à ça de vol, si. Gary, pour prochain, États-Unis. Et justement, il fait contact pour lui connaître évidemment. Si yo révoque visa li, parce que le trois madame dans l'autre bois. Il y a une belle madame ça papa. Belle madame ça, elle a botté l'argent en Haïti pour la vider aux États-Unis. Pour la garder ouais, Jean le mettre fils à l'aise l'autre bois. Et puis pour la varité comme ça pour le temps de deal, il pas qu'à voyager. Et puis belle madame ça l'autre bois. Gars, il peut pas capable vivre. Mais honnêtement, tu n'as pas fait un choix. Parce que Haïti, pour y a, c'est pas dans le micro dans le bouchon. Les gens qui pour y a, c'est ses amis. Les gens qui détruit le pays, c'est ses amis. Et tout le monde a bas au micro. Ils ont crasé le pays. Ils ont régénéré tes propres têtes, ils ont une soutien politique encore. Ils ont l'opposition. Ils ont crasé, ils ont boulé, ils ont détruit, ils ont bloqué. Après, ils ont bas au micro pour qu'ils ne soient pas capables d'aller à l'élection. Ils ont régénéré les têtes, ils ont convaincu le peuple là. C'est nous-mêmes qui faisons. Nous méchants avec un micro. Nous détruisons le pays avec un micro. Je ne sais pas si Gary finit tête clair net. Parce que, quand on a dit que c'est là, c'est extrêmement grave. Et le Waldjou, ça que c'est parce que le pays n'est pas bon, qui cause à fêter fête à l'étranger, pas qu'à fêter fête mais il est irresponsable. Je ne sais pas si Gary. On a dit que c'est pas ici.
monsieur son officiel il a bien. Deuxièmement, monsieur dit en Claude, il y a un point d'interrogation devant nous, par contre, s'il la donne ou s'il ne la donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh mais les Américains sont des fous. Le département d'État est composé de fous. Menteur. On ne va citer non. Taisez-vous. Au lieu que monsieur dit, j'ai été trompé par un monde qui était dans l'islam, monsieur dit, Gaïbe, je ne dis pas dans l'islam. Monsieur va démentir pour moi. Même si on est journaliste, ou pas démentir pour moi. Ou dit samedi. Menteur. Qu'on y a, passons à autre chose. Deuxième thématique. Ou est-ce que tu as ça longtemps? C'est un bon liste qui gagne, nous tapons une liste. Bon liste, nous tapons une liste. Ou bien aussi, tu n'as pas quatre mounes. Eh bien, vrai. Ou bien, nous n'avons pas. C'est pas vrai. Yo met ton moun. Yo met ton moun. C'est pas vrai. Deuxième bagaille qui gagne, Marco, concernant. Ça ne m'a pas pris un peu sur le nom. Le 6 novembre, c'est l'anniversaire. Malheureusement, je ne vais pas être en fête. On a ici le 5 novembre. Dans la soirée, je suis sorti, je vais fêter avec Famille Wan. Je vais fêter. Maintenant, il y a quelqu'un qui voit photo, image, avec Wan, qui t'a pensé. Oh! Mon abrélé, bon, moi-même, ça ne va pas déranger. Mais Wan, son monde, qui va nous faire un monde, il n'y a pas de problème pour ça. Parce que si c'était vous-même, suivez-moi bien, Marco Rosa me dit, c'était vous-même. Vous-même, oui, je ne parle pas à vous. Quittez nos restaurants qui tapent danser, et vous allez me faire cadeau. Je ne sais pas comment, c'est normal. Je suis le fils du peuple. Les gens m'apprécient. Ils ne parlent pas même, mais les gens m'apprécient. C'est normal, les regards, ils vont la courir. Marco, ils font 2 millions de views. Ils sont arrangés, oui. Et puis ça qui vient de passer, il dit à la République dominicaine, qu'on a bon dit non. Pas parler de la République dominicaine parce que je n'ai jamais été en République dominicaine. Mal deux fois, dame ou te roi que le roi n'a, c'est madame qui arrive pour Charles. Donc pas un problème dans ça. Et mon outil, c'est famille Wana. Et me profiter pour me saluer deux, trois amis qui étaient là. Marco, je prends un à dire ça. Esprit me fait. On est passé au débat mon coup. Le coup de la gueule, on est ça, il y a un grand parti pour le bonheur. Reste parti, on a fait un bel montage pour nous tout faire net, pour nous être content pour nous recommander, pour nous fêter, même si on nous fait un mi-balai. Et on a pris une décision, avec nous dit, finalement, il y a un problème, parce que les gens ne pas dans la fête là, ça dérange. L'année prochaine, on fera la fête en direct, live, pour que tout le monde ne soit pas même besoin de vidéo. N'a fait live. Alors tout le monde dans le pays a gagné à fêter. Alors moi-même, à quoi nous va gagner à fêter? M'a fêté. Oui, normalement, Gary Pepponchal toujours fait fête. Et il y a des gens qui me connaissent, justement, qui connaissent la fête Gary Pepponchal, mi balai, le ça a été gagné à Haïti. Plus ou moins, il va être à ça. C'est en 2017. Oui, 2017, Haïti pas de vraiment arrivé dans le niveau ça. N'est-ce pas de finir avec le niveau ça? Mais justement, tout le monde qui finit avec Haïti, ces amis Gary Pepponchal, c'est ça le problème. Ou a plaigné parce que ou pas qu'a fait dans le pays d'Haïti parce que ou dit pays a pas bon. Moun qui fait pays a pas bon, hein, c'est des moun qui n'a mis quoi chaque jour. C'est des amis ou, c'est des proches ou, politiquement. C'est des moun qui. Dis l'argent avant vous. C'est des gens qui boivent en pile l'argent. OK? Parce que des gens qui ont baigné dans la corruption. Des gens qui ont un système peu se soucier. Qui ont plus passé 12 millions de personnes en souffrance. Qui ont tout en diaspora à distance pas rentrer dans le pays. Et pour moi, on va monter pour aller fêter à l'étranger. Quelle honte. Moi, je dis une grande bagaille. Je dis, il faut que nous commençons honnête. Parce que nous manquons propre. Honnêtement, m'ap di nou sa, nous manquons propre. Oui, c'est vrai. Nous manquons propre parce que nous pas prouvé que nous, comme si m'da di nou, nous gon IDP, nous on va payer dans tête nous.
comme si nous avons fait dans le micro. Et naturellement, tout le monde est capable de nous faire des pays dans la tête. Parce que nous prenons pays, nous détruisons avec des politiciens. Parce que je dis pour les Haïtiens, le système a monté avec Gary Pépocha, Liliane Pépol, Mavel Dandin, Jean-Mona Metellus, Valérie Nima, tout ancien journaliste, comme si c'est des gens qui montaient avec le système. Ça. Parce que Gary Pépocha, il a 35 ans, la Fébec fait des micros, Bob Cédul, il a 27 ans, l'autre a 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça veut dire que c'est des gens qui là, qui travaillent pour Haïti, ça que nous avons là. Pendant 30 ans, pendant 25 ans, 27 ans, il a frappé des micros, et puis il y a un groupe qui a enrichi, il y a même tout qui a riche. Et tout le monde est bien. Pas qu'il y a un qui est pauvre. Tout le monde qui a 25 ans de micro, il y a tout vivre bien, il y a tout pile l'argent. Et même les politiciens, il y a pile l'argent. Mais le système, il y a un multimilliardaire. Parmi eux, Dimitri Vob, chef gang, petit voleur sans salle, assassin tout le président. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne voulais pas ici connaître que. Je dis ce système là, on parle de système journaliste système là. Droit monde qui défend comment les organisations doivent humer système là. Et l'église système là. Secteur vaudou système là. Secteur artistique système là. Et militant système là. Si on prend pas quitter yone. Devine quitter yone son système qui gon facilité pour que lui régénérer tête li dans pays ya. Et premier monde pour retirer pour faire suspendre japper dans tête monde c'est exactement journaliste système là parce que c'est eux même qui est des système là régénérer tête li avec autant de facilité. Je dis à les chaque haïtien assumer responsabilité non pour qu'une bataille pour nous éradiquer coalition d'assassins dans tête pays ya. Parce que Haïti que nous gè là c'est pas Haïti pas nous ça. Haïti pas nous deux batailles pour lui, pour nous joindre. Et je dis, combat est extrêmement difficile et qui en pile le monde li. Mais moi, personnellement, pas une émission qui m'a fait pour que nous ne parlions pas de lui. Qui ça va gagner? Pardon. Nous en novembre. Si nous avons supposé dans l'examen premier trimestre, jusqu'à maintenant, si nous avons jamais rentré l'école, tout le monde est campé là. Tout le monde qui est dans l'étape touché, les politiciens ont annoncé que tout le monde n'est pas à l'école. Tout le monde dit qu'il n'est pas à l'école. Mais nous ne comprenons pas les conséquences qui ont gagné sur le pays dans 25 ans. Pas quitter tout le monde à l'école aujourd'hui. C'est pour passer au système. Non. Pour ne pas quitter Haïti éduqué encore. C'est bataille. Oligarque corrompu. Pour ne pas quitter Haïti à l'école encore. Et puis petit. Rester avec le système, non. À l'école, à l'étranger, pour être capable de venir toujours comme sénateur, comme député, comme juge. Comme monde, comme dirigeant dans le pays, mais masse peuple là, il faut qu'il toujours été, par contre, lui, pour les dire craser à gauche, craser à gauche, craser à droite, craser à droite. Assassiner le président, assassiner le président. Il faut que toujours ait monde yo pour le système, non. Esclave là. Et même dit, je dis, il faut que tout le monde à l'école. Obligatoirement. Même dans le pays qui a une guerre. Si vous êtes à l'école, je dis, il faut que nous fassions craser les gangs qui ont kidnappé les gens pour que vous êtes à l'école. Après ça, vous avez fait manifestation. Yo. Mais il faut que vous êtes rentré à l'école parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas logique. Si Haïti a Internet, si Haïti a gagné l'électricité, même avec les pays voisins, si vous êtes, par exemple, tout, si l'école était comme un computer, la République dominicaine, toute l'école, yo, tout le monde a gagné un laptop. L'école yo ba yo si ti pou ti moun ki l'école dans l'école publique yo chaque ti moun yo un laptop avec dominicain dans moment confinement et dans moment corona bagay sa yo tout ti moun te prend cours en classe te prend classe en ligne te prend classe en ligne yo gen internet la kayo l'école yo ba yo computer programme nan installé sur computer pou yo et puis yo suiv programme l'école là chaque l'école go gen programme pa yo et puis les examens ti moun composé la kayo sans problème mais en Haïti nous fermons pays, tout monde va à l'école. Nous l'autre pays, tout monde va à l'école. Et manifestation, tout monde va à l'école. Nous tous les présidents, tout monde va à l'école. Tout bagaille tout monde qui est lié affecté système éducation pays a son plan que lié. Je dis à faut que nous venions avec un autre plan. Plan pour tout monde rentrer à l'école même en temps de guerre, en avancer. Gars, on va faire une parler parce que nous avons des interventions que nous pas faire là. Intéressant.
disons ça, est-ce que Youri ak Lambert capable candidat? Mes questions. Et qu'on pourrait me donner un effet avant de passer là-bas, là-bas, nous, monsieur. Youri ak Lambert, Marco, la décision prise par le département d'État, il s'est continué. Dans ce temps, il y a un peu de jouer. Parce que vous comprenez? Nous sommes menteurs, nous sommes bluffeurs dans le pays et nous sommes hypocrites. Tout le monde est dans le pays qui est dans la politique et pas la première fois aujourd'hui, il y a ça. Yoshitak Lambert, Yoshitak Youri, yon a parlé, yon a primatu, yon sénateur, yon a secteur privé, ok? Tout le monde a été connu, on dit ça de yon depuis longtemps. Pas la zamo yon. Yon va défendre tête yon, yon va défendre tête yon. Maintenant, ça qui intéresse, les blancs prennent décision ça, est-ce que Youri ak Lambert capable candidat? La question. Mais ça qui intéresse. Ma réponse, non, yon va pas candidat. Et blanc prend décision parce que et pas parce que opposé seulement à blanc pour venir non parce que yo bloqué accord qui doit signer. Enfin un deuxièmement et parce que Lambert te gagne ou on avait dit yo intention presque maladive pour le président pour la l'en parler et Lambert dit ça blanc dit pas faire ou parler. Donc, gros aspect nous négliger. Blanc dit le compte ça depuis passé plus passé 20 ans. Et pas ça, monsieur. Mm-hmm. Blanc dit le compte ça depuis longtemps. Blanc, par exemple, fait. Donc, si Blanc font pas écouter. Et toujours, Gary Pérochal, les côtés coupés. Et on a essayé, reconnectez-vous. Je dis, oh, parfait. Même si vous avez une relation avec vous, vous n'avez pas là, vous n'avez pas de demande de faire, ou bien vous n'avez pas dit ça. Ou a dit ça? Et pas ça qui a fait de vous, vous n'avez pas dit la vérité. Mais qui sont bon depuis l'heure de ça, 24 heures après, où faut qu'on fasse, parce que vous dites ça, il n'y a pas de valeur. Mais pas l'heure où vous finissez des problèmes avant, et vous avez dit, mais ça, vous demandez, mais ça, il n'y a pas bon, il n'y a pas nécessaire tout. Il n'y a pas nécessaire. Ok? Moi, je pense aujourd'hui, son avertissement que vous avez à tout l'autre nègre, soit qui n'a drogue, ou du moins ce n'est qu'à faire violence. Yo. Et faut me dire nous ça, c'est pas coupé ou coupé visa de Joe Lambert, entre autres, parce qu'il y a quelques jours, il n'y a pas de visa. Vous écoutez. Il a remarqué que les dossiers à l'affaire étrangère ont bon dossier, bon passeport pour retourner. Et monsieur a dit, comme il n'y a pas là, il n'y a pas de renouveler. On m'a aussi simple. Je ne vais pas renouveler. Mais maintenant, monsieur n'est pas qu'à les États-Unis pour des raisons que vous évoquez. Mais monsieur, si n'est pas. Dis-le, je ne vais pas faire quatre chemins. Non? Les raisons que vous évoquez, tout le monde connaît, c'est trafic de drogue, assassinat, ne pas alimenter gang, en général, sont terroristes. Trafic de drogue international, trafiquant international de drogue. Joseph Lambert, monsieur. Mais c'est grave, oui. Noël Lambert, qui Lambert pas fait. Lambert finalement, c'est la couleur côté qu'il dit. Libral, relais la justice américaine, ou du moins le département de trésor américain, de la justice. Joseph Lambert n'abtonne. Jusqu'à maintenant, n'abtonne. Et m'te dit, monsieur, il y a une semaine pour suspendre. Non. Fait chantage comme si m'da dit, montrer que y a un bagage qui a envie de faire. M'te dit, nous. C'est caca bret de bret. Pas grand rien qu'a fait. Pas grand rien qu'a fait. Entre temps, même tout annoncer nous c'est la nouvelle et Timakak continue frapper. Après Timakak fin assassiner Eric Jean-Baptiste pour les oligarques corrompus pour les politiciens haïtiennes, justement Timakak incendié un plus gros club qui compte faire gros comment le festival international dans Taraz. Club Taraz, Timakak boule hier soir d'après toute information qui arrive joindre nous. Timakak boule club ça, côté qu'il a fait connaître que c'est ta va pour Toto. Et tu m'as boule le club là. Et pas oublier, tu m'as te kidnappé petit Toto. Dans temps qui se passe, il fait qu'on est quand pile là jamais qui baille. Mais tu m'as annoncé que les besoins Toto et contre pas corps
Elle besoin Toto pour le panne pour le décapiter, c'est des garçons ça que bandi a fait. Et Toto a pas Angel l'a fait acheter pile cartouche pour l'ampile zam parmi yo inspecteur police était bien dans mon cabrit là qui t'a sorti la place centrale là. C'était cartouche t'a sorti pour Toto parce que Toto besoin pile cartouche pour faire guerre ensemble avec monsieur Timakakyo. M'a dit honnêtement Toto c'est un qui occasionné ça dans l'air. Timakak son petit voleur, petit criminel qui était dans gang 5 secondes du village de Dieu et dans Douanel, d'ailleurs c'est bon frère Anel Belizer, Anel Joseph, excuse voilà. Et c'est bon frère Anel Joseph à l'époque était celui qui était ensemble avec Anel Joseph. Et ben Timakak Anel Joseph vient mourir, Timakak vient continuer le mouvement gagnant, il vient un espace pour qu'elle frappe parce que famille fait appel ensemble avec elle et que Toto a maltraité yo. Famille connaît qu'elle dans âme, famille relé le début la famille relé Timakak. Mais t'as la boule, mais t'as Femat, mais t'as et Thomasin, et mais t'as Taraz. On les a fini complètement. Tout le monde qui trouve dans la boule 12, tout le monde sait c'est quoi qui te caillou. Parce que bandit va y zone là, eh ben y a pas qu'à faire rien. Bandit au touyé, y a boulé, y a raché, pas jamais qu'on réponse qui baille, parce qu'il pas d'autorité. Autorité yo, c'est des gangs qui y est. Pas jamais qu'on réponse. Et que je vais assassiner les gens qui l'ont assassiné, c'est comme ça qu'il fait. On a fini avec Gary Berrochal pour nous traverser dans l'autre chapitre là qui est important. Avec Mackenzie Victor. On a commencé, on a parlé pour Mackenzie Victor tout à l'heure. CEP. CEP a parlé de dilemme. Si vous accusez, pour qu'on ait un avocat qui. Pas un avocat, il ne peut pas délibérer sous chaos. C'est difficile pour CEP, pas bon canet. Et je n'ai que ça au lié à pouvoir, Marco. Si vous avez un canet, je n'ai que ça en grande difficulté. Bon, et non, l'autre bail, tout, mais qu'on a, est-ce que l'État haïtien a des poursuites judiciaires que y a fait à l'encontre de Mounsayo par rapport à le positionnement du département d'État sur le sujet Sayo? Maintenant, comme souvent, on dit dans le pays, y a c'est blanc qui a dirigé. Et voilà. Il y a un gros problème. Non, mais quel problème? Parce que même si l'État haïtien, la justice pas poursuivi, mais comment blanc qui fin dit négo dans Baïsa pour l'accepter, il y a un sénateur en dans le Parlement? Pas oublier. Il y a un prendre un sénateur en exercice. Oui. Souvent bien, et pas dit, il me dit que vous pas capable, non? Yo vinn pran youn nan exercice ki se Fouel Célestin. Yo te vinn pran même Guy son l'autre aspect. Guy c'est peut-être nèg ki t'ap travay peut-être pou yo ensemble avec yo donc yo te gen nouvelle ki fait konnen ke Guy pa de candidat et cetera. Ouais, ba mwen pa konn ba ça mais gen den depuis yo di nan drogue li vinn ou gon difficulté yo même parce que yo di ça oui. Donc c'est au pal est-ce contexte ça permet yo même de gagner la haute main sous processus là et c'est ça qui fait difficile le pour blanc vini pa ici blanc vini après complication mais justement par rapport gain intervention militaire et yo évoquer et représentant CARICOM parler il fait connait que pas voyer troupes militaires dans pays d'Haïti pour venir supporter un gouvernement qui illégitime et me dit bravo. Ça a limité, mérite un petit bravo. Les blancs font bagaille, tout font bat bravo pour lui. Oui, c'est très important. Parce que ça passe, nous faisons tout le temps, nous avons critiqué, parce que nous n'avons jamais de tête. Non. Mais là, on font bagaille tout qui est bon, il faut que nous disions, va les batailles, Ariel Henry bataille là, il y a bataille, pour débattre militaire fait. Président Dominique, qui c'est Luis Abinadel, goumé en pile pour force étrangère débarquer dans le pays. Mais ça passe, il ne peut pas y camper. Blancs comprennent, réseaux sociaux parlent en pile. Nous frapper en pile, nous sommes obligés de faire back définitivement. Mais justement, pas que passe par quatre chemins, ça qu'a fait là, il a fait, oui. OK? Mais justement, papa ici, nous allons aller chercher ensemble parce que le dossier là, le dossier est compliqué. Et nous avons fait la route ensemble avant. Assassin paniqué, gang paniqué, méchant paniqué, mais de fait, la vérité a parlé. Et m'a dit nous ça encore une fois. Je dis à gain de journalistes que m'apprécie dans le pays d'Haïti. Actuellement là qui dans marron. C'est pas possible. Actuellement là qui dans marron. Suite avec une dénonciation même gens qui n'a fait tout le temps qui ont tenté fait. Journaliste ça c'est
Jean-Ismaël Valestin, Julien Jean-Baptiste, journaliste, il n'y a pas qu'à venir dans le micro, il est obligé de fermer la bouche pour le moment. Parce que le gouvernement criminel là a menacé. Assassin qui est dans le secteur privé, dans le secteur bancaire là, a menacé. Julien Jean-Baptiste, te dit ça que nous prenons le temps de là. L'important, parce que jeune ça, là nous quittons là, t'as les criminels tout yo. Et puis nous pas de parler de yon encore, faut que nous fassions parler. Julien Jean-Baptiste, t'es fâché. Il était paniqué. Alors, frustration, li, il était dégagé. Entendez. A faut que peuple haïtien reconnaître les vrais ennemis de ce pays. Ismaël, faut que peuple la pays, la jeunesse, la diaspora, connaît les vrais ennemis de ce pays. Les vrais ennemis de ce pays, Ismaël, ce ne sont pas les politiciens, frère. Ce sont ces éléments du secteur privé rétrograde et corrompu. Les jovenels de Anna. Qu'a fait ça? Les jovenels de menacé. Font-ils ton chef là? Les jovenels de menacé. C'est 65 gouttes de 200 dollars. Justement. 65 gouttes. Et on menace. Banque centrale de sanctionner des banques là. Rien de pays. Justement. Et je veux dire, n'a qui fait Stanford dans le pays. N'a qui fait Lord Cambridge, Cambridge en Angleterre. N'a qui fait Harvard. N'a qui étudie Few en Florida. Mais qui fait toute grosse université dans le monde là, haïtien fait quoi, économiste, les économistes qui ne sont pas les économistes de service. Faut que tu dis pays à ça. Les vrais ennemis de la République sont ces contrebandiers, des qui vont payer taxes, des qui vendent dollars, qui aiment le pays à vue jeunesse là en otage. Une petite émission Ismaël. Non, on va avec ce qui était Juno, et de là. T'as des biens. Non, les méchants, man. Si n'est-ce qu'on parle. N'est-ce qu'on m'échappe. Faut que tu payes la vérité, man. Faut que tu payes la vérité. Gardez ta juvenile, gardez ta Delmataba, man. Vous dites qu'à ce moment-là, bien, man. Sous ces groupes qui parlent du pays, qui va payer taxes, qui n'a contrebande, qui a volé et qui a protégé le pays, man. Il va faire sens, man. Faut nous dénoncer ça, man. Faut nous dénoncer, il va faire sens, man. Mais garçon sou pas créé dans vous la parole là. Mais garçon sou. Garçon pas qu'on fait bas. Radio Omega. Garçon pas qu'on fait bas. Radio Omega. Et mettre garçon sous là. Chalmas. Qui s'est négocié à tout yon. Et là, nous allons commencer par des noms. Et je dis à si Ariel Henry Kouai, c'est contrebandier que la vraie. Si Ariel Henry Kouai, c'est d'autres petits groupes politiciens au pays, c'est contrebandier qui est la gang. Retirez tout contrat avec privé au gain dans le là. Ou à tout ça, fait payer Ariel Henry. Vous gâtez la parole. Fou grand monde quand on a même pas le va parler bien. On paye à foutre souffrir sous dos. On paye à mourir sous dos, Ariel Henry. Retire tout contrat négis dans l'État. Mais combien de négis qui fait caoutchouc? Mais combien de négis qui fait diri? Vous gâtez la parole? Mais le vendeur. Mais combien de négis qui fait banane? Achetez, Emmanuel. On fout banane, on fout banane le vendeur, excusez-moi, Alex Sassirin. Excusez-moi, Guerrier Henry. On fout de bonnes revendeurs. Combien de gens qui produisent la Tibonite? Et peut-être dis-nous ça. Là, nous, au monde, la Tibonite a volé un sac de riz, il est grave en pile. Extrêmement grave. C'est pour ça que Jovenel Moïse mourit. Mais vint nous devant la radio, il nous fait tout et nous. Mais nous avons défendu une bonne cause. Vous gardez la parole? Mais vous êtes tellement méchant, mais vous êtes éliminé qui sont les choses qui sont les classes moyennes. Pourquoi est-ce que nous avons Sous le fond bagay pour Haïti, bon douli à soya. Retirez tout contrat net dans mon secteur privé. Nous pas qu'à vivre nos pays aujourd'hui. Nous tous ces haïtiens. Et nous peuples passer tout nek gen bizan dans pays. Radio Omega. C'est eux que je ne prends dans l'État. Et c'est eux que je ne crédit dans l'État encore. C'est grave. Yo mouté business, c'est sous dans l'État acheté. Et dans l'État pour y acheter. Son bav l'attaque qui est bismélé, l'école pour l'ouvrir, qui institution qui a fait spot. Fred Britis qui go naïve, nous j'aime la fait spot à bouler dans la radio. Et dit, si arrête, j'aime la fait spot à bouler dans la radio. Qui contrôle le joint? Qui contrôle
je ne vais pas dans le pays. Ismaël, men. Faut que nous commençons à nous dans le pays, men. Les pas tout ces politiciens, pourtant c'est pas vrai, men. Si nous avons contrôlé le pays, qui a accroché à richesse, men. Faut que ce soit un vrai ennemi. C'est le second, mais on t'a mis à yo. Mais on t'a mis à yo. Ou pas camarade, il faut côté. Quand il y a un mette blanc, dormi. Les Ariel dit faut forcer les étrangers en train de payer. Quand il y a content, parce que l'hôtel y a le foule. Il y a continué à faire comme sous nous. Réveillez-nous la société. Assumez responsabilité nous. Protestez-nous. Protestez-nous, mais. Prends destin nous en main. Non, dis-nous vérité à soi. Fais pas ici un destin nous en main. Destin nous en main. Politiciens, en pile là, yo. Yo pas ramasser caractère, yo. M'a dit nous li. En pile là, yo contre sous sénateur, sous député là. Yo pas qu'à manger. Yo contenté, yo. Yo prendre des grands nègres services. Mais tout le monde, toute femme, ak nèg qui a besoin de payer sous l'État. On connaît m'ka mouri pour des siècles courants et m'a mouri pour une bonne cause. L'État préval côté lié à la famille Vob. Non, vérité, moi m'n'a menti. Préval dans un groupe monde pour vendre pour produire courant dans pays a. Yo prend l'argent pour de l'argent dans BNC. Terre pour l'État. Qui est-ce qui va faire courant? L'État haïtien. Mais ça fait si Pierre, si Jacques, pas qu'avant courant tout. Bah, c'est grave, oui, man. Ça fait si Pierre, si Jacques, pas qu'avant tout. Ismaël, faut qu'on se donne qu'à l'école dans le pays qui dit qu'on lit. Faut qu'on dise peuple la vérité, ça, oui, man. Non, faut qu'on dise que le peuple, Ismaël. Parce que son gêne n'est pas au travail. Faut qu'on dise que le peuple, Ismaël. Yo croyez à l'aise. Mais je veux dire, nous tous avons quitté le pays. Nous tous avons quitté le pays. Je veux dire, nous tous avons sauvé quitté le pays. C'est vrai. Parce que nexo besoin pays pour yo besoin espace pour vivre, yo besoin espace pour à l'aise. Je dis à tout le monde ça quitter pays là. Nous tous a quitter. Parce que nous pas jamais à l'aise oui. Parce que n'a voulons on tirave 4, nous craignent pas camarade si l'accident soleil là, nous craignent pas camarade si la saline là, nous craignent pas camarade si la Matissan. Nous craignent pas camarade si la Solinoa. Faut que société a réveille. Oui, très intéressant. Diaspora. Donc société arrive. Nous comme qui pour nous dans l'économie réveillez nous. Calais Dieu nous. Chili, Brésil, il y a des économistes qui système n'a dit que plusieurs milliards de dollars qui sortir dans diaspora. Réveillez nous. Qui n'est qui consomme elle? Réveillez nous. Parce que diaspora Ismaël pas dit pour diaspora comme ça. Lorsque Hitler a décidé la politique d'extermination des juifs en Europe Ismaël. Quand il va tuer 3 millions de juifs en Europe. OK, m'pas que monde là qui arrivé là encore dans niveau qui était arrivé à monde là. Ça que monde comprendre ça que tout ces juifs qui étaient en Europe à l'époque après la Seconde Guerre mondiale Israël tout allait dans pays yo. Côtoyer Miami, États-Unis, côtoyer Canada, côtoyer France, côtoyer Brésil, Chili, il va pays pas où. Quand il y a un événement X qui passe demain parce que le monde n'est pas stable et le monde ne sera jamais stable. Depuis le monde de la fête, c'est conquête, c'est guerre, c'est bataille pour territoire, bataille pour l'argent. Nous, on s'est passé là avec la Russie et l'Ukraine. Donc, Haïti qui dehors, il y a intérêt pour impliquer pour Haïti changer. Parce que à tout moment, quand on est là, on est dehors. Quand on est là, on ne paye pas. Donc, vous avez intérêt, pendant la diaspora là, vous voulez comme en Haïti, en pile l'argent dans le pays d'Haïti, pour bataille, vous voulez changer. Parce que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Hitler va tuer 3 millions de juifs, OK, tout reste qui t'est sauvé yo, yo tout la caillou. C'est pour nous que nous même vous dire à diaspora, réveillez-nous. M'a dit on va réassurer son gouvernement assassin qui là. Buvez de sang. On va dire. Son gouvernement buvez de sang là. Si un président en fonction ca mourir Jean le mourir avec quelqu'un monde qui demande justice pour lui dans monde ça yo. Yo ca trouver n'importe dans nous là. Après déclaration ça, Jean-Ismaël Valestin pas jamais dans micro encore. Et comme les difficiles parce que bon monsieur pas bah vraiment gain même tempérament que nous gagnons. Et média li là li indépendant li pas gain boss li pas gain patron ou dissolve li quand il s'agit de la vérité ou bah information de pour vérifier Infobeto son plateforme tout pays a
Jean-Yves Balois, c'est un grand pile paysan qui a pris Kiremel. Ils sont paysans même Javel. Est-ce que je peux quitter vagabond criminel voie ou qui pas foutre haïtien? Comme si je viens de menacer pour tout même dans le rêve, il faut tatouer nous en vent. Junior Jean-Baptiste, lui dit c'est mon. La Tibonite, Henry. Hein, on prend une tête comme ça, qui bien fait comme ça. On jeune, on va le quitter. Des voies ou gang cri qui commande le secteur bancaire, qui a fait vieux l'argent sale dans le pays, pour qu'il te assassine. Non. Sous pas dit jeune ça, ou pas de monde dans le pays encore. C'est volant seulement qui a prêté. C'est assassin seulement qui a prêté. Justement, je dis nos grandes bagailles. C'est des gens qui ne me connaissent pas. Ni Juno, Jean-Baptiste, bon, on a rencontré eux, sauf que moi, ouais, yo. OK? Et nous avons un ami quoi, tout d'abord. Ismaël Valestin, c'est dernièrement moi visage li. Juno, Jean-Baptiste, c'est dernièrement moi visage li tout. Et je suis capable de dire nous, dans une vidéo, et côté qu'il a participé dans votre signature, livre Le rêve assassiné, et livre que. Et ami Jomo, pour Jomo, tu es sorti dans le président Jovenel Moïse, ou du moins sous-président Jovenel Moïse, moi tu es deux jeunes Sayo. Je me dis, mes amis, deux jeunes Sayo, c'est deux mondes qui sont là même. C'est deux pays qui sont même là même. Dans la dernière émission, ils sont craques, émission ailleurs. Ils menacent, ils comme si tout de suite après l'émission, ils viennent menacer, monsieur. Mais justement, nous avons l'émission pour qui est-ce qui menace, monsieur? Edouard Bossan. Il doit menacer Junior Baptiste. Et puis quelques temps après, il doit bosser. Et non, il doit bosser à citer dans l'assassinat avec Jean-Baptiste. Pendant ce temps, il doit citer nos jeunes Sayo comme monde soi-disant qui travaille pour Jean-Baptiste. Mais nous le comprenons. Papa, il s'en garde bien. Je vais montrer nos grandes bagailles. Je vais tout tomber sur ça, je vais montrer le lait. Pendant que Evalier Beauplan a fait payer l'eau, la vie de l'huile dans toute tête monde. Pour petit tout pas de l'école pendant 4 mois dans le pays. Il était tout souvent petit de l'école écrit dans le papier. Mais petit beau plan. Est-ce que nous voyons bien? Mais petit évalué beau plan. Dans New York, États-Unis d'Amérique. Si vous avez gradué dans le collège, tout ça, il a bien éduqué. Comment ça me dit là? Il a bien vivre. C'est le sénateur de la République, il a gagné l'argent dans le pays. Mais petit beau plan, évalué beau plan. Pendant quoi, il a participé dans le boulet pays, écrasé pays, déstabilisé au pays, petit paille à l'étranger. Vous voulez nous comprendre ça? Je vais mettre des vidéos, je vais mettre des photos sur le écran. Parce que je dis, qu'est-ce qui est pour faire? Et tout est seulement contre tout. Moi, je suis un cadavre qui est mieux. Je suis en vacances et dans tout, seulement beaucoup. Je vais vous nous ça. Mais honnêtement, ou t'as dit pas mettre des timounio, je suis obligé de mettre mais ni. Petit politicien, meni. Ou obligé mettre elle, et pas faute ou. Obligé mettre elle, et puis petit sénateur de la République qui est lié, obligé mettre elle, pas faute ou. Si t'es petit ou artiste, ou t'es qui pas te mettre elle, mais c'est petit beau plan. Le beau plan fait petit pour pas à l'école. Faut garder coup de petit pas là, pour voler lui-même. Le beau plan fait de l'huile dans la tête, mon. Mais faut garder coup de petit pas là, ou petit beau plan, mais petit beau plan. Petit évalué beau plan. Kounya là, après ça là, il comme s'il va chercher. Au moins là pour lui payer des monde pour te chercher pour tout. Mais ma petit beau plan, nous c'est cadavre gâté, nous mourons déjà. Et depuis là, nous venons travailler ça beau plan. Nous mourons déjà, monsieur. Nous pas évacuer. Nous mourons déjà. Et va gagner un crédit encore, non? Est-ce qu'on prend? Et mes joueurs me disent là, nous avons détruit le pays. Pour nous finir avec deux journalistes, Juno Jean-Baptiste, Jean-Ismaël Valestin, honnêtement, monsieur, je dis nous, je suis content de nous. Moi-même, nous. Des fois, on a une petite différence, mais sauf que, il n'y a pas de problème. Mais moi-même, nous, en pile. Et je ne vais pas nous mentir. Même si tu as une possibilité pour nous collaborer, je ne vais pas nous mentir si tu pas avec deux bras ouverts, monsieur. Nous avons collaboré, sérieux, oui. Parce que, la plateforme, ça qui nous a gardé là, émission, ça qui nous a fait faire plateforme, ça va être grand dans Bouddha. Je salue nous pour courage, nous. Après émission, nous allons venir dans le micro. Même si nous sommes là. Mais ça n'a pas continué, nous, papa Issien. Comme si vous jeunes, vous n'avez pas parlé. Vous avez dénoncé criminel. Beau plan. Comment elle est? Edouard Bossan. Edouard Bossan. Qui sont criminels, qui sont assassins, qui sont tout partout. Ils sont tout pays. Et puis, comme si je me disais, comme si pour jeunes, ça va marcher dans le pays d'Haïti. Que chaque grand Haïtien file manchette pour marcher pour criminel.
Peuple haïtien, je dis, il faut que nous bataille, il faut que nous goumen parce que Haïti trouve le nom impasse qui est extrêmement difficile. C'est chaque grain haïtien conséquent qui est capable d'aider pays à sortir dans sa qu'il trouve là. Encore une fois, cri d'alarme. Voix un ancien député, un ancien consul à plusieurs reprises en République dominicaine pour Haïti. Et Luc Nel Noël, ancien député, un personnage, ancien député Wanamet, qui arrive aux frontières. Moi, vivre ça qu'a fait en Dominicanie, il fait mal en pile. Mais député ça, il connaît la République dominicaine bien. Les consuls à plusieurs reprises là, et la vivre sous frontière, Wanamet là, avec Darbon. Entendez le papa ici, c'est intéressant. Il y a tout compatriote haïtien. Non, moi-même, c'est Luc Noël, ancien député de la 49e législature pour la circonscription de Wanamet. Moi-même, c'est ancien consul, tout, responsable consulat d'Haïti à Darabon, République dominicaine, pendant un an. Moi-même, tout, ancien consul encore, responsable section état civil au consulat d'Haïti à Santiago, République dominicaine. Message ça moi voulais m'avouer spécialement pour Premier ministre Ariel Henry et associé, c'est-à-dire l'autre autorité qui subalterne à lui maintenant. Nous avons mis tout le temps de voix là. D'ailleurs, ce n'est pas qu'importe qui a parlé, son ancien député qui a parlé, son ancien diplomate qui a parlé tout. Je n'ai pas gagné dans le menti pour me dire que je dois dire la vérité. Je veux faire tout le monde connaître que c'est dans la frontière que je vive. PM, Bayo Grave Saint-Domingue Haïtien. L'homme de Bayo Grave, peut-être qu'il n'y a pas d'informer au Bayo Grave. Vous tendez ça qui passe Haïtien dans la rue. Mais ça, il y a un fils, un danger dans le bail. Depuis l'immigration, chef barré, n'enrage tout ouye. C'est Luc Noël encore. Ancien député, ancien consul, qui a parlé. Ça y a barré, n'enrage tout ouye, moun pa konne yo. M'rappelé, ancien grand moun yo te kon parle m'sa, pour qui m'aime, c'est moun wana men. En 1937, te gen sakte le coup de couteau, côté haïtien. Dominicain t'a point haïtien, voye l'en l'air et puis prépare prendre couteau. Piquel. Son bagaille presque même façon qu'a passé là. Et c'est presque dans tout pays là. Et ça yo pas fait le même genre pour qui en 1937 yo te fait libre malgré moi vinn fête 19 ans après 1937 là, c'est-à-dire 1956. Mais son bagaille même genre tué haïtien qu'a fait pour le moment que m'a pas la voix là. Yo pas jouni dans la rue aux yeux de journalistes, aux yeux du peuple tout remende, puis yo barre yon dans la gêne dans finka, tout ça yo barre qui paraît à la porte de yo, yo tué tout, et puis yo chariot a jeté. C'est ça qu'a fait pour le moment là, m'abdou là, pour le moment que m'a parlé avant là. Et m'saisi tende, m'a pas reconnaître Claude Joseph. C'est ça Claude Joseph qui lance son mot en faveur d'Haïtien yo. Qu'est-ce que cela veut dire? Côté politicien haïtien, nous pas là pour nous faire pied nous. Monsieur Baye là pas qu'à marcher comme ça. Peuple a péri. Haïtien pareil nous, en danger l'autre bois. Yo pas tué dans la rue, mais depuis yo joigne dans la forêt, en la fin de côté de travail là, yo barre, yo courir. Tout ça qui paraît à la porte de la police ou bien Guadeloupe dominicaine, yo fusillé tout. Et puis, au bout de la machine à jeter, c'est ça qui a passé là, qu'on y a la République dominicaine. PM, excusez-moi l'expression, nous t'arrêtons, mais, ou changez figure d'épaule. Ce n'est pas ni Cubain, ni Africain, ni Jamaïcain qui a commandé. C'est Haïtien qui a même ça à avoir commandé. Il faut chercher une façon pour changer figure d'épaule, pour attaquer, ne pas dire c'est goumé ni c'est guerre. Mais il y a ce qu'on appelle la diplomatie. Nous avons une grande puissance, l'Organisation internationale, OEA, l'ONU, même CARICOM, qui coiffe nous, qui coiffe la République dominicaine. Nous avons des plaintes qu'on capote. Là où il faut qu'on fasse non.
Ce n'est pas question de ni radot ni bagaille. Mon grand monde 66 ans, m'fin vivre. Mais ça qui a passé l'autre frontière là, c'est grave. Ça autant de wap vivre, c'est 20%. Mais l'autre 80%, c'est un dérage là pour faire côté tuer moun yo. Pas paquet. Nous, ça qui a passé là, c'est synonyme de 1937. Mais yon fait en l'autre version. Yon met en couverture là-dedans, que 1937 pas connaît. Mais ça qui a passé là. Moi, je dis que, non moins que c'est Lictin Noël, ancien député, 49e législature, 2011-2015, ancien consul, responsable consulat d'Haïti à Darbon, 2015-2016, ancien responsable section état civil au consulat d'Haïti à Santiago, République Dominicaine. 2016 à 2020. Premier ministre, c'est là pour profiter, nous ne pouvons pas faire la guerre. Ce n'est pas un habitant qu'on ne peut pas l'avoir. Son homme de loi qui ne peut pas ancien député. Peuple a péri l'autre de la frontière. Ça, c'est un bagage même indigné au monde. Peuple n'a pas qu'à vivre encore. Il faut qu'on mette les pieds, fouille la bouche, non mot. Pour qu'il fasse que nous cassons les Haïtiens, que nous tapons, venons pilier, faire des hangars, t'as coûté 10 janvier, 12 janvier. Mettez-vous, mon doigt soit retiré, peuple là. Faut qu'on dise, peuple a péri. Sans nous couler. Franchement, pour le moment là, on dit, que ça, ça t'a coûté maintenant. Soit ancien militaire, moi, si soit M16. Qui pour nous même, pour nous faire action, nous faire avec elle. Malgré que je préfère la diplomatie, ah oui. Mais, lundi, je vais la frapper. Cherchez à informer toujours, il y a 12 jours, ça a passé. Merci beaucoup, tout le monde. Cri, un ancien député, 49e, et Luc Nel Noël, et ancien député Wanamet, ancien consul d'Abong, ancien consul Santiago, République Dominicaine. Et qui dit un bagage qui est extrêmement raide, ça dit en pile. Monsieur dit comme ça que ça que vous avez fait haïtien dans la capitale, devant journalistes, devant la police a fait dans la rue, ça pas rien. J'ai pas le traité, oui. Monsieur dit c'est haïtien qui travaille dans le champ, ça qui habite en province. Depuis l'immigration débarque sur vous, si vous pas campé, vous fusillez. De vous courir, vous fusillez. Ça l'est plus que grave. M'espérez. J'espère que c'est pas note. Mais espérons que c'est pas note. Jusqu'à maintenant, nous qui dans le pays d'Haïti, ministre des Affaires étrangères, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, pour que je ne dise rien. Pour que le ministre ne dise rien. Personne ne dise rien. Notez. Je vous fais la tombe dans de l'eau. C'est pas juste le bruit. Partagez l'émission. Commentez. Like. Abonnez. Si vous êtes abonné. Info bientôt.